Moi, salut tout le monde. Depuis de voir ça, on connaît déjà, c'est Robinson Maurice qui rentre la gare. C'est PDG Robinson Trading. Et ceci, moi, remercie tout supporter abonné nous qui toujours. Bon, un petit temps, bon, un petit moment, une petite minute pour regarder en vidéo, pour nous partager le qui t'ont like. Ça a vraiment fait un plaisir, en effet, que vous faites ça. Merci en pile encore une fois. Je dis, thème vidéo, hein, c'est parler où, de ensemble des régions. Ici, dans le pays du Brésil, qui plus ou moins gagne la vie meilleure pour un jeune haïtien ou bien une jeune haïtienne qui a rentré ici au Brésil. Malheureusement, des fois, en Haïti, l'état du Brésil, mais il n'y a pas d'orientation. Ou bien, les gens qui ont orienté le Brésil, là, pas la réalité. Ou même qui ont tendance pour rentrer au Brésil, ou bien qui ont l'autre ville qui a souffert, vidéo ça, c'est pour. Vidéo ça c'est pour vous, c'est avec un ensemble de réalités que nous connaissons. Vidéo ça c'est pour vous. Je vais expliquer quelques régions dans le Brésil qui sont capables de jouer un travail plus ou moins facile par rapport à une autre région. Pour qui ça, vous êtes capable de jouer un travail plus facile par rapport à une autre région dans le genre de région ça. C'est parce que dans le genre de région ça, ensemble de productions offertes, c'est des productions manuelles. C'est pour des productions qui ou pas besoin de trop de technologie pour faire. On a dit, je vais expliquer pendant Haïti, si tu as une référence entre deux ou trois États dans le Brésil, qui est-ce que tu as doué, par exemple. On prend l'exemple. Admettons un cousin, Santa Catalina, ou un cousin de São Paulo, et pour un cousin au Rio de Janeiro. Bon, État ça, comme État non plus connu. Si dans trois États ça, tu as une référence côté pour venir. Si tu as le côté pour Algérie luxe, pour aller belle vie, belle monde, belle ville, pour choisir São Paulo. Si pour aller côté, pour aller faire belle vie, pour aller dans la plage, matin, midi et soir, pour choisir Rio de Janeiro. Mais si vous choisissez côté, pour venir défendre la vie, cherchons la vie meilleure, vous avez dû choisir Santa Catalina. Et je vous dis pour qui ça. Santa Catalina, mes amis, une question de production viande. Dans Santa Catalina, presque toute viande qui produit dans l'ouest Santa Catalina, est produite par Haïtiens. Ça veut dire que si vous avez 5 000 personnes qui travaillent dans la compagnie viande, plus que 60% là-dedans, c'est Haïtiens. Et ceci, Haïtiens, ils font le bien, ils font le rapide, ils ne font pas pour pillage. Ça veut dire que ça fait que vous croyez dans le monde. Bon, ensemble de travail encore haïtien fait, mais ça, c'est des cas, c'est des cas clés que haïtien censé dominer. Et je parle d'un autre facteur encore. Pour qu'ils aient un entrepreneur brésilien choisi comme si prioriser un haïtien en fonction de un brésilien. C'est parce que haïtien, en général, il y a sacré les responsabilités. Qui sa responsabilité dans la question de travail? Responsabilité. Si je connais le travail, je prends à 5 heures, je ne peux pas arriver dans le travail à 9 heures du soir. Je connais le travail, je prends à 7 heures, je ne peux pas arriver dans le travail là à 8h30. Ça, c'est responsabilité. Ou bien, je fais le travail aujourd'hui, mal boit bien, et puis l'autre jour, je ne peux pas mettre pied dans le travail. C'est brésilien, lui-même, les gens sont en question. Les gens doivent finir toucher là, ils ne peuvent pas mettre pied dans le travail. Haïtien, pas dans ça. Le travail, quand même. Sans favoriser la production de travail. Ça fait que, dans ce sens, ça priorise ici. Si ça fait même ma dossier seulement sur ta situation, pour ta venir dans un pays, non, pour ta rentrer au Brésil, pour ta choisir un État, Santa Catalina peut-être c'est en référence, Rio Grande do Sul tout son référence, Paraná tout son référence, mais central là, c'est Santa Catalina. Ok? Admettons tout, où tu arrivé, quand y a ta parlé des questions, Freddy, Freddy, mes amis, je connais le dit. L'aigle Freddy, c'est à lui vraiment dit. Mais par contre, si vous êtes en réalité, vous pouvez mettre même à tout le monde les dates Freddy. Parce que c'est Freddy un bon pile temps, mes amis. Freddy, qui est Santa Catalina, c'est environ 3 mois le plus fort. C'est environ 3 mois. Après de ça, ou à l'aise, ou pas dans Freddy, ou contre Gachalet, puis dit qu'il y a Haïti des fois. Ça veut dire que il y a des gens qui toujours prennent prétexte Freddy, mais Freddy, son petit Freddy, il n'est pas inquiet. Ok? Moi, vraiment remercie parce que tu as choisi le bon temps et m'espérer que vous compartir ou bien partager vidéo ça avec yon collègue ou pour que nous-mêmes nous capables de faire plus like, plus view et plus écoute. Merci en pile parce que tu choisis
Bon petit temps, merci en pile parce que tu choisis quitter un petit like pour nous. Merci en pile.